Ayala date 9 each 20 horse blood delegation day. Pontemek with Est arrive 8:14. Akueli Okara for Chiso. La visita commence Parles Center de Santi CMA de Fotuni. O Les Professors on 8 Emerville. La visita commence Parles Center de Santi CMA de Fotuni. O Les Professors on 8 Emerville. UNE Boys La Visite Terminée, Direction Lycée Classique, OLS Professors on Fate Le Plein d'Energie pour la Genie. Oui, nous sommes ici dans le cadre des activités de l'amicale. Et chaque année, dans notre programme, nous avons comme activité de fin d'année une excursion dans un établissement autre que le nôtre. C'est donc dans ce sens que les présidents des amicales de Futuni et de Fondjomonkouet se sont associés, n'est-ce pas, pour que cet événement ait lieu. Comme il en existe dans toutes les chefferies bambouées. Et la chefferie, le groupement Fotuni, a 12 villages de voisins des pays. Donc voici exactement la chefferie qu'on dit supérieure qui coordonne les 12 villages du voisin des pays. Il y en a qui sont très beaux, comme de là. Bien, quand on est ici, ça c'est le cas où on ne pose pas la question. On ne pose pas la question, on se pose. On peut donc descendre. C'est une visite culturelle. Ne posez pas la question sur les maisons. C'est le chef Bonjo. Bonjo. Le chef Bonjo, qui est le grand-père du chef actuel, c'est lui qui avait refusé le plan ici. C'est pour ça qu'il marchait bien. C'est lui qui est le père du chef Timbim, qui est le père du chef. Ce soir, on passe au travail de chez Saint-Jean. Et alors, la raison pour laquelle voilà le bout du chemin,
C'est-à-dire que ici, quand les gens viennent rencontrer le chef, il attaque là. Avant, c'était l'unique place à la chefferie où tout le monde pouvait passer. Les enfants du chef jouaient le soir ici. Et tous les petites palabres, c'était là, tous les petits problèmes, c'est géré là. Je sens que dans le chef. Depuis le matin, nous avons eu des moments d'échange, de visite. Nous avons même visité le centre médical d'arrondissement de Futuni. Nous sommes allés à Pouvandéry et continuons toujours la visite. Et nous sommes passés cette fois-ci par la radio. Et comme le président du lycée de Fondjumokwenda autant signalé, nous aurons des matchs de football tout à l'heure, les runs. Et après cela, nous aurons une soirée de gala. Donc la soirée, la journée encore est assez longue, nous avons encore beaucoup d'activités à mener. Mais qu'à cela ne tienne, nous disons à la population de Futuni, de Fondjumokwe, que réellement, que ce soit des matchs de football, que ce soit des moments d'échange, que ce soit des moments pédagogiques, tout cela a un réel but, davantage de pouvoir épanouir l'être humain que nous sommes, et davantage de permettre aux uns aux autres d'engager beaucoup d'expérience dans le domaine pédagogique et aussi même social. Respecte le personnel du lycée de Futuni, mais tout ce que nous voulons, c'est gagner et s'en sortir. Vous allez saluer quelques personnes, hein? Bien, je voudrais dire... C'est toi, Futuni. Je voudrais dire d'abord bonjour à Sa Majesté, le chef supérieur Futuni Kouet. Djoubi, c'est Kangaï, bien sûr. Et puis, au personnel du lycée de Fondjumo, peut-être en particulier. Voilà. Je vous dis, je loue les efforts de l'élite Futuni. Et en particulièrement, n'est-ce pas, du chef supérieur de Futuni. Vraiment, c'est vraiment un rêve. Et donc, je pense que cette fois-ci, comme vous avez parlé de la victoire, voilà une première victoire, nous allons l'écraser sur le terrain. Bien, merci. Merci, monsieur le professeur, d'être venu dans ce studio. Bon, peut-être qu'on va sortir. J'espère que tout à l'heure, chacun va se connecter via son téléphone portable, via son smartphone, car Futuni TV est présent pour ce match. Alors que nous vivons en direct le match amical qui oppose l'amical du lycée de Fondjumokwe contre l'amical du lycée de Futuni, nous pouvons observer un prochain but des messieurs. Elle a offert à l'équipe de handball du lycée de football. Qui lui tire la balle, il renvoie à Anoubissi Hassan Schiller. Il va tenter une prochaine fois, et ça sera une balle perdue.
Nous avons été très bien accueillis déjà depuis le matin. Le programme a déjà été respecté. Lorsque nous sommes arrivés, nous sommes allés au centre de santé. Nous avons pris notre petit déjeuner, un des petits déjeuners très copieux qui nous maintient même encore jusqu'à présent. Ensuite, nous sommes allés à la chefferie où nous avons été guidés. On nous a expliqué beaucoup de choses. Nous avons continué à la provenderie communautaire. Et enfin, nous sommes passés au lycée technique de Futuni, le seul lycée technique dans l'arrondissement. Voilà, donc je dis, je voudrais saisir l'occasion, n'est-ce pas, pour adresser les félicitations à l'élite locale et surtout, n'est-ce pas, au chef supérieur, n'est-ce pas, pour les efforts qu'ils consentent pour le développement de Futuni. Nous avons été émerveillés. Bon, vous avez vu tout à l'heure, toujours dans la suite du programme, nous nous sommes amusés. Il y a eu un match de handball, un match de football. Le lycée de Futuni a été victorieux au handball par un large score. Mais au niveau du football, ils ont senti, n'est-ce pas, qu'ils ont un adversaire solide. Nous sommes séparés avec un score égal d'un but à un. Mais au-delà de tout, les activités, ce n'est pas fini. Hein? Nous sommes déjà à l'heure où nous parlons, nous sommes à 18h05. Nous pensons que cette activité, n'est-ce pas, nous allons la terminer, n'est-ce pas, dans la apothéose. C'est ce qui est plus important. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Tout ce qu'on aura gagné, n'est-ce pas, c'est la collaboration et le vivre ensemble. Je voudrais sincèrement remercier mon collègue
le grand professeur Eko Eko et tous ses collaborateurs pour avoir accepté notre invitation. Ce n'était pas donné. Ils ont accepté notre invitation. Ils sont arrivés. Nous sommes baladés. Nous avons joué. Il n'y a rien de plus intéressant que ce stress qu'on enlève à la veille des examens officiels. L'année scolaire n'est pas terminée. Et nous abordons le dernier mois qui est consacré aux examens officiels. Il était question que les gens se déstressent avant d'engager. Effectivement, vous savez que la semaine prochaine, on va commencer par le concours d'entrée en sixième. On va acheminer par le bac, après le BPC, le probatoire. Il était intéressant que nous on enlève ce stress-là pour aborder l'examen dans de très bonnes conditions psychiques, physiques et psychologiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour sortir de cette journée, monsieur? On peut dire pour sortir que la journée n'est pas encore terminée. Il y a encore un grand match, un dernier match. Ce sera la soirée de gala à laquelle vous êtes conviés. Et nous souhaitons que le stress va finir définitivement. Et que dès lundi, on va engager la fin d'examen comme en parfaite harmonie avec notre corps et notre esprit. Mon ami, un jour ça ira.
là-bas. Si ça ne va pas, reviens mon ami, le Cameroun a tout. L'avenir du pays se trouve entre nos mains, ne fions plus le pays. L'avenir du pays se trouve entre nos mains, ne quittons plus le pays. Si tout le monde s'en va, qui va rester? Voulons-nous construire ou détruire? Si nous voulons construire, vous restez, construisons.